Nous, on est toujours très heureux de recevoir Pierre Goff. Ses premières scènes étaient certainement sur cette scène-là, il y a 21 ans. On espère que celle-ci ne sera pas la dernière, même si on a des craintes. Et que, bon, il faut rester vigilant. En tout cas, si vous, vous continuez à être là, je pense que lui aussi continuera à être de ce côté de la scène. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup et je vous souhaite de passer un très bon spectacle. Il reste des places pour demain soir, et si vous avez quelques amis qui n'ont pas pu en avoir pour Cassavre. Merci. Bonne soirée. Merci. Je stresse de trop. Si je m'assois, je m'écroule. Ce n'est pas dans tes habitudes. Tu te trouves bizarre. Normalement, tu es calme avant chaque spectacle, mais là, qu'est-ce qu'il y a? On attend quelqu'un d'autre? Non. Je voudrais mémoriser mon texte à haute voix. J'ai besoin de m'entendre. Mais je ne vais pas déranger. À haute voix, fais comme tu veux. Tu ne me déranges pas. Bonsoir, cher public. Bienvenue sous la lumière des projecteurs de ce théâtre. Le théâtre est la vie. Et la vie, elle est partout. Cher public, ce soir est exceptionnel. Avec vous ce soir, je joue ma dernière scène. Et ce spectacle est une manière à moi de vous dire merci. Merci d'avoir soutenu mon travail. Merci pour votre accompagnement, pour votre confiance. Sans votre amour pour mon théâtre, ou le théâtre en général, je crois que j'aurais quitté la scène depuis longtemps. Et ce soir, c'est ma dernière scène. Tu es sérieux, là? Ce n'est pas le contexte. Qu'est-ce que c'est, cette histoire de ma dernière scène? C'est une nouvelle version? Ce soir est ma dernière scène. Le théâtre, c'est terminé pour moi. Je range ma plume et je passe à autre chose. Je fais mes adieux à la scène définitive. Je n'ai pas souvenir qu'on ait abordé le sujet, là. Non. Mais tu veux que je réagisse comment? Le public ne va plus tarder à rentrer là. On rentre sur scène dans un instant. Je suis ta comédienne, puis ta femme aussi. Tu as encore beaucoup de choses à me révéler? Des secrets, des tours de corps, des surprises? À moins qu'il y a quelque chose que j'ignore, que je dois savoir, c'est ça? Non, non. Tu prends une décision à la hâte, sans consulter l'ensemble de tes comédiens. Pourquoi? Et toujours pour les mêmes raisons. La censure. Ils ont une manière très polie, très familiale de me pousser à la touche. Autant partir avec des applaudissements du public dans ma tête. La censure est normale. Ici, il y a une unité citoyenne à construire. Que le mot unité sonne faux dans ce pays. Le mot unité n'est pas un trait d'union qui relie les couleurs et les différences. L'unité, c'est un état, l'état d'esprit à construire. La censure, elle condamne la parole qui dirige.
La censure est dirigée par l'argent. Elle pollue ma culture. Mais ta parole est censure. Elle divise, elle menace. Tu le savais, ça? Pierre, j'ai oublié de déposer le carton devant. Quoi? Le carton? C'est quoi cette histoire de carton? Ah, l'expression du carton vide. Une philosophie qui ne s'applique que dans les tribus kanak. Ton carton vide sur la scène de théâtre insulte la culture française. Mon carton vide insulte, mon théâtre insulte, ma pauvreté insulte, la couleur de ma peau insulte, mes vérités insultent. Et quoi que je fasse, quoi que je dise, j'insulte. On parle du carton vide là, l'approche n'est pas le même. Mais parlez-moi pour la censure. Pareillement pour la censure, techniquement, humainement, culturellement, politiquement, spirituellement, philosophiquement, l'approche n'est pas la même. Pour moi, la censure est la non-reconnaissance de l'identité culturelle de ma plume. Mais ma plume porte un nom, elle s'appelle Espoir. D'accord, on oublie le carton vide, je le dépose à sa place. On met de côté la censure de l'autre, les surprises. Tom nous fait signe, le public ne va plus tarder à rentrer. Seb. Oléa. Bah. Tu restes jusqu'au bout. Mais comment que je reste jusqu'au bout? Tu ne veux plus de moi dans ton spectacle? Mais tu es absente. Et mais regarde-toi. Tu es l'ombre de toi-même. Tu portes le deuil de ton âme. Tout le monde te lâche. Tes amis. Tu es seul. Nous, on te lâche. En tout cas, moi, je te lâche. Je sais. Même aucune institution où le Kanak est au pouvoir ne veut investir sur ton théâtre. Aujourd'hui, l'État t'aide. Demain, il se retire, tu fais quoi? Mais regarde-toi, regarde-toi, tu es vieux, ton théâtre est vieux, tout autour de toi est vieux. Ta plume aussi a pris un coup de vieux. 30 ans de ma vie, j'ai donné à servir ton rêve. J'ai cru à la force de ta plume. Mais maintenant, ton théâtre là, ronronne, on tourne en rond là. Quelqu'un de normal. Et il est logique pour quelqu'un de normal de pousser la porte de là où se trouvent les gens normaux. Ce costume est malin. C'est bien. Ah bon? Et maintenant, il y a une place là devant. Tu vas t'installer là devant le public, ne va plus tarder à rentrer. On s'occupera de la voiture après le spectacle. Allez, va devant. Voiture, devant! Là, devant, là. Et oh, et c'est pas possible, ça. Devant, tu fais quoi, là? Allez. Bon, allez. Adios, viens. Il s'assoit sur cette chaise et puis il ne bouge plus. Quoi? Je m'assois sur ce banc et je ne bouge plus. Bon. Thomas, s'il te plaît, on y va sur ta lumière dès que le public est rentré. Non, okay? Thomas, tu lances pas la lumière, j'appelle la sécurité. Mais non, mais pas la sécurité. On fait le spectacle avec lui. Quoi? Tu n'as pas saisi, là? Il dit que l'histoire. Faire le spectacle avec lui?
Tu nous demandes de faire des improvisations. Et mon statut de professionnel m'a mis en péril, tu te rends compte? Quoi? Il met un coup de beau sur son visage. C'est debout. Il faut qu'il donne l'air d'un comédien. Fais confiance. Bien. La lumière est pour moi. Mesdames et messieurs, le spectacle va bientôt commencer. Alors je vous prie de bien vouloir éteindre votre téléphone portable. Dans cher public, vous pouvez suivre le spectacle debout, assis, accroupi, couché. C'est selon le choix de votre confort. Ici, il n'y a pas de règle dans le choix dont vous disposez pour suivre le spectacle. Mais assis, c'est mieux. Vous pouvez aussi vous laisser aller. Exposez-vous de joie, riez, pleurez, criez. Amusez-vous à faire du bruit. Mais réfléchir, c'est encore mieux. Oh, pardon. Ce n'est peut-être pas une manière religieuse, coutumière et institutionnelle de vous mendier de l'argent. Mais j'appelle seulement à votre bon sens, votre générosité la plus sincère. Eh bien, votre participation nous sera utile pour sauver notre compagnie. Ne prenez pas ce carton vide comme une insulte à votre culture, mais pour un ventre vide, besoin de se nourrir. Je n'ai pas grand-chose. Mais je sais que c'est pour la bonne cause. Merci. Merci. Et de grâce, donnez et ne murmurez point de votre bonnes actions. Par rapport aux bonnes actions, vous serez en possibilité de revenir en aide à une personne en danger. Bien sûr, bien sûr. Nous sommes au spectacle là. Il fait noir et moi je suis là au chaud